amigo. Regardez dans quoi on est. Bon, Manino a vu la vidéo et le soir même il nous a fait venir un bobcat. Oh, c'est pas vrai, c'est une coïncidence en fait. Grave, grave. On vous sort la vidéo et le soir il nous ramène un bob quoi. Ouais. Enfin un Volvo. Du coup Julien a pu faire mumuse, vous verrez ça dans une autre vidéo. Ouais, ça sera pas dans celle-là. Et d'ailleurs j'ai failli faire formateur, j'attends toujours mon apprenti depuis deux jours mais je sais pas où il est. Et ça on vous l'expliquera dans une autre vidéo. Des fois qu'il vienne un jour. Donc du coup on voulait remercier Jérôme et Laurent pour merci leur don PayPal. Pour votre merci don à PayPal. Vous. Dans cette vidéo dans cette on va vidéo, parler fort. Julien vous fait découvrir les studios de télévision. Manino l'a emmené avec lui. Du coup vous allez pouvoir assister à une émission en direct de Manino avec une petite surprise pour Julien. Et on vous laisse avec ça. Et on vous dit à plus tard, bah, c'est la surprise, il est pas en train de savoir. Une surprise pour Julien. Bah, la petite surprise, oui. Pour moi. Manino te fait, enfin plutôt que Christian te fait à la télévision. Ah non, c'est pas une surprise, ils m'ont fait une entourloupe. Vous allez voir ça dans la vidéo. C'est le canal 50 de Morterose. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur internet et regarder la télé de Morterose en direct sur le canal 50 Morterose. Vous tapez sur Google et vous verrez in vivo. Et vous verrez aussi les autres émissions et vous faites une petite apparition. Ouais, on s'est bien marré. Et on va vous préparer aussi une vidéo sur le... Manon est en train de rigoler, donc la caméra... La caméra, elle saute dans tous les sens, ça derrière Manon. Et sur le chef cuisiné du canal 50 aussi, on va essayer de programmer ça. Et d'ailleurs, si essayez de chercher quand même dans votre entourage, si vous ne connaissez personne à la douane de Cordoba, parce qu'on n'a toujours pas notre colis et toujours bloqué, c'est chiant. Et c'est vraiment galère. Enfin, voilà, voilà. Allez, on vous laisse sur cette petite vidéo. Et n'oubliez pas le petit pouce, s'abonner. Et la clochette. Parce qu'on n'est pas encore aux 20 000. On n'est pas aux 20 000 et on est bientôt à un an de voyage. Alors, ouais. Abonnez-vous. Allez. À la prochaine. Bonne vidéo. Ciao. Ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Salut à tous, on s'en va, je vais à la télévision avec Manino. Parce que si vous ne le savez pas encore, le lundi et le mardi, il travaille à la télévision. Voilà, hop. Donc là, je m'en vais filmer un petit peu les studios pour vous montrer tout ça, comment ça se passe. Allez, on arrive là. Ça y est. On arrive au canal 50. Oui, il y a un paquet de paraboles. Hein. Transmission internationale. Et là, attention, on a le comment ça s'appelle? Comment c'est chama? Journaliste. Journaliste. Allez. Il s'est mis tout beau là. Il est quand même midi 57 et ça commence à 1h. Mais ça va, il est plutôt cool. Hein. Ah, c'est quand ils vont faire des reportages à l'extérieur, ça c'est le camion mobile, la télé mobile. Allez, on rentre à l'intérieur. Ah, un agrandissement. Pourquoi c'est chiquito alors là? Ils font tous des travaux. Dos baños, para maquillaje. Ah oui. Deux vestiaires pour maquiller et... Hey, la lousse. Et une salle de conférence quoi. Allez. Ah si. Là c'est la salle de production. C'est là où ils font tous les réglages de la télévision. Oui. Quel numéro 1? Christian. Ah si. Quel pelo.
ni ufo. Et là, on est sur le plateau. Es el LeBron James de las cotorras. Qué impresionante. Lo mejor, lo mejor. Fantástico esto. Poca asistencia, está flojo de asistencia, vamos a decir la verdad. Juegan Neymar contra LeBron. Es muy dulce. Michael Jordan contra LeBron James. Bueno. Y esto, ay, me da miedo. Me da miedo. No. Ah ouais, du coup, c'est pour ça qu'ils refont une salle parce que. Regardez, je suis là. Yeah. C'est là qu'ils font, qu'ils se maquillent et tout quoi. Donc c'est vraiment pas, pas de même le café ici, vous avez vu. Donc c'est pas terrible. Et là je vous ai, j'ai pas parlé mais tout au fond là-bas, c'est là où ils font la cuisine. J'essaierai de filmer un moment quand ils font les émissions de cuisine. Donc là on va monter et là-haut c'est là où ils font tous les contrôles de son, d'image et tout. Donc là voilà, c'est là où ils gèrent un peu du coup les images. On voit les personnes qui sont en bas là. Donc, tout le matériel là. Donc là on a Manino qui va descendre bientôt à la télé. On va aller le voir. Puis on reviendra monter là. Donc là on voit, il se met en place. Là c'est ce qui passe du coup en ce moment. Les pubs. Donc ils se préparent là, ils font tous les petits réglages. On va descendre voir Manino en bas, comment ça se passe. Eh, c'est vraiment sympa cette petite vidéo, je pense. Hein. Je pense qu'en France, on n'aurait pas pu faire ça. Allez, on rentre sur le plateau. Voilà. Voilà, bien, voilà. Donc là, en fait, c'est là où ils font, je vous disais tout à l'heure, là. On essaiera de filmer un jour l'émission de télé sur la cuisine, justement. On va organiser ça. On va mettre le téléphone en silencieux. Voilà. Que passe ça ? Ouais, c'est pas bien grand en fait. Hein. La perche. Tout l'éclairage là-haut. Je sais pas ce qu'il voit du coup sur l'écran devant là. Ah, la même chose. Il remet la clim. Qu'alors? Cuento. Ah, calor. Hola, ¿cómo les va a todos? Muy, pero muy buen mediodía. Aquí arrancamos este día martes con todo el polideportivo, con 650 Sport, para compartir con ustedes este programa espectacular que tenemos. Y hoy no se pierda la anécdota de Jorge Abrazo y nos saca chispas. Hoy es el día del programa de la anécdota de los saca chispas, así que no le vamos a decir Jorge no. Vamos a rezar, salvo que no ande sonido. Vamos a rezar, por favor, que ande todo bien, porque yo no lo pospongo para el próximo martes. Hoy es hoy.
y vamos a estar hablando también del deporte motor. También Claudio me decía en la previa del programa, tengo información de la Liga Regional San Francisco ayer, pero noté un poco calencho, calentito por no poder comunicarse, pero aparentemente hubo una comunicación y hay información importante sobre ese tema. Así que ya les vamos a estar contando de qué se trata. Nos saludamos a Claudio Urtía, que está por allí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? También las imágenes que usted pudo dar. Mira, da una arriba en haut. Se va a poder ver. Una segunda que ya le puede ser. ¿Qué puede ver? Digamos, hacer mejores vueltas con el karting, con el mismo, ¿no? Que es lo lindo mientras podamos hacerlo, ¿no? Bien. Ahora, en fait, c'est lui qui jongle sur les caméras. La verdad que... ¿El sótano lo tenés? Sí. Muy buena. Muy poco, en el TC Mura hubo un accidente importante. Donde bueno, muchos autos se han dañado por este tema, ¿no? Cinco minutos dura el tema. No deja ver y bueno, cinco, se hicieron los accidentes. Vuelvo al piso. Pero bueno, Tommy manejó y pedime la nota, ¿no? Desde el fin de semana. Il a parlé a Marino, je sais pas si vous l'avez vu. Bueno, estuvieron muy complicados, dice, consulté a Tommy. Por lo general, los parabrisas estos tienen como un sistema donde cuando con la velocidad que baja es como que el agua va corriendo hacia arriba y bueno, te permite ver algo, no mucho. Se complica para la visión. Lo que hizo muy bien Tommy es darle mucha diferencia a los de adelante, cosa de poder estar haciendo la carrera que a él le convenía, digamos, ir tranquilo dentro desde el punto de vista. Dos minutos, creo que le había dicho 2 minutos. Et ils vont balancer le générique. Là, on voit bien Manilo en bas, les caméras. Le studio. Lui dit dessus. Que gana González, acá para igual que otro muy apretado. De hecho, por eso no volvió Brinkman, quedó con el equipo. Sí, exactamente. Me parece que Anina está muy bien, ¿no? En fait, là, il est en train de mettre les titres que aparecen sous la télé, là. Et là où c'est marqué El Futuro del Midget del Litoral, là il a changé. Ça, c'est le circuit de moto là, de Patito, celui qui avait le camping-car et les voitures. On ira vous filmer ça aussi là. Le circuit là, c'est à Morteros. Et en fait, là, il est en train d'écrire sur l'ordinateur. Le porte-moteur et ça va s'afficher sous l'écran là, on va le voir ici. Oh, il est encore en train de taper, attention, ça va apparaître. Voilà, ce qu'il a écrit sur l'ordinateur, vous voyez, c'est écrit là. Le porte-moteur, Alguna. Non, non, déjà salir la vereda, vamos. Et lui parle au micro et Manilo il entend là. Sí, o sea, la verdad, hay tantas cosas, que uno que lo toma de esa manera, porque hay tanta confusión. Et on va retourner en bas. On va voir comment ça se passe. Au niveau du plateau de télé. C'est pas mal, hein. Vous avez vu? Eh, le circuit là, faut qu'on aille le filmer là. Un samedi là, ça serait pas mal. Allez, on rentre. On va essayer de pas faire de bruit. C'est mal barré avec la poignée.
Putain, je crois qu'ils veulent me filmer. Non. Es cierto, lo he visto un montón de veces, pero usted lo hacía para darle movimiento a los vehículos. No importa, no se pegó. Lo vi. No, yo me hago cargo. Je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais ils veulent me faire une entourloupe là, je crois. T'as vu? Là? Si. Et je lui ai dit qu'il donnait mouvement, mais je vais aprovechar. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme. C'est un programme. Hablamos de porte. Hola. ¿Cómo le va, Mateo? Ah, acá está el micrófono. ¿Cómo anda? Hablando de deporte y motor. ¿Cómo le va, Mateo? Una salutación a toda la gente. ¿Cómo le va, Mortero? Un saludo a toda la gente de Mortero. ¿Cómo va, Mateo? Todo bien. Ahí está, la cosa y lo compensa un aje. Están en su grapa. 15 días me dijo que se quedaba, van 7 meses. ¿Cómo? Está haciendo un programa especial para YouTube, de los medios de acá en la zona. Siéntate. Sí, porque está ahí cobran en dólares. ¿Ahí cobran dólares? ¿Suscribiste a mi canal? Sí, o sea que sí, en el mismo lugar donde 400 personas no dejan estar. Pero bueno, se van a enojar todos, no se van a enojar conmigo, yo estoy acá, ustedes están en Suárez, se van a enojar. Cristian, ¿eh? Ah, bueno, yo la tele, a ver. Hoy estamos en un momento tan sensible que tengo. Así. Tenía también, Cristian, se escuchaba como cubierto recién, no te esperaron Valentino, no te esperas Jeremías. Tira un son. Voy a ir a la pausa, en minutos nada más. No se esperan, tenemos lo más importante, que es la inauguración de las nuevas canchas de Barrio Norte. Y después, anécdota imperdible, según me comentaron, de Jorge Abrate, contando... Este no entiende nada, que sabe. Sí, comprende todo. No entiende nada. Lo saca chispa de Jorge Abrate. ¿Alguna vez patinaban en su botina, no? Cuando... Bien. Y novedades... en la Liga Regional San Francisco, en la voz del señor Claudio Urquía. Pausa y ya vemos. No hay un programa serio. ¿Qué haces acá? ¿Qué dice? Hay que hablar despacio y él comprende todo. Todo. Ah, no. ¿Escuchás? Sí. No, pues si ayer no estaba, boludo, hoy tampoco. Bien. Y al principio el programa no sé si fue interno, pero yo escuché un... Sí, había otro micrófono abierto. Ah, pero sale el aire. Sí. Publicidad, si no se la muestra que te moró, pues yo voy a pedir. ¿No? Suscribiste a mi canal, por favor. Molaro te pide todo. No, yo te sigo. Espero que sí, sí. ¿Sí? Boludo. Boludo. Escucha. Ah, no tenés internet, ¿no? Te quedaste sin datos. Sí. Porque acá. Cristian, suscriptor. Gracias.
¿Lo tengo barato o no? No, todavía no. Vamos. Bien, bueno, muchas caras conocidas en el Club Barrio Norte, mucha gente también se hizo presente, autoridades municipales que también estuvieron allí. Bon, ça y est, je suis repassé derrière les caméras. Vous avez vu sur la perche là, il y a l'écran qui est là. Si, il a dit. La cuisinade. Donc là, je suis sorti dehors là. Là. Le grand pylône avec les antennes là. Et là, on a les paraboles. Quand même les sacrées paraboles hein. Je sais pas si vous voyez bien là, mais si. Allez, on va retourner là. On va retourner dans les studios. Voilà. C'est un peu comme chez nous, hein. Morte Rose, c'est un truc de fou quand même. Allez, je vous remonte. On va aller voir un peu. Allez, le tableau de contrôle. Ça y est, l'émission est terminée. Que disais, Bruno? T'es vu? T'es entendu? Bon, voilà, on peut un peu plus parler. Donc ça y est, c'est terminé. Là, vous voyez, vous avez toutes les caméras, tous les spots là-haut, tous les éclairages sur l'armature en fer là, la grande perche. Là, je vous ai dit, il faut qu'on arrive à faire une vidéo quand il fait la cuisine là, qu'on filme ça. Et j'étais là-haut tout à l'heure là. Enfin, toutes les fois où je monte là, c'est là-haut. Et puis bah là, je crois qu'on va y aller, hein, ça y est. Hein. Là, je suis passé à la télé. J'ai mon écran. Bon bah voilà, on repart et jeudi, je viens filmer du coup la cuisine. Donc c'est cool, hein, une belle vidéo pour vous là. Será de ti, te tuve cerca y ahora estás tan lejos, pero prohibido recordar lo nuestro, es imposible. No, yo le pongo combustible. ¿Qué haces este? Con plata de mi abuelo, pero yo le ponía combustible. ¿Tú haces un programa? Hablamos de deporte un programa. Ah, bueno. ¿Quién está? ¿Cómo le va? Bueno. Acá está el micrófono. ¿Cómo andás? Hablando de deporte motor. ¿Cómo le va, Morteros? Una salutación a toda la gente. ¿Cómo le va, Mortero? Un saludo a toda la gente de Mortero. No, ahí está, la cosa es loco, un personaje. O sea, si faltaba un desequilibrado, no hemos encontrado. Bien. Si faltaba un desequilibrado, mira que qué grande que el mundo. 15 días me dijo que se quedaba. 7 meses y 15 días. ¿Salimos en YouTube o no? Con esto salimos a YouTube, pues nos pase la parte, ¿no? Está haciendo un programa especial para YouTube, de los medios de acá de la zona. Bueno, venga, ¿no tiene un centro? ¿Eh?
Sí, porque está, ahí cobran en dólares. Claro, por eso le digo. Ahí cobran, ahí fue, cobran el único que limpiaron, fue el único que limpiaron de Suárez con la carretera. Sí, vos sabés que sí. En el mismo lugar donde como 400 personas, no dejaron entrar. Que se lo dejaron entrar así. Se van a enojar todos. Nah. No se van a enojar conmigo, yo estoy acá. Ustedes están en Suárez, se van a enojar. Sí. Cristian. Si habla de la realidad, ¿por qué se va a enojar? ¿Eh? Sí, la realidad, ¿por qué se va a enojar? Nadie. Cuando uno habla de la realidad. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt! À bientôt! À bientôt!